Hey hey, bienvenue à toi membre de la Team Soldat. Alors petite vidéo spéciale pour te faire part d'une chose, c'est tout simplement pour te remercier. Pour te remercier parce que je viens d'atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube et c'est notamment grâce à toi, c'est notamment grâce au fait que tu visionnes, que tu commentes, que tu aimes bien les vidéos et bien évidemment grâce à moi, le fait que je fasse du contenu. Donc voilà, je souhaitais te remercier, t'émettre de la gratitude. Et j'ai commencé cette chaîne quoi il y a plus ou moins 3 mois là à partir du moment où je fais cette vidéo. Donc 1000 abonnés en 3 mois, moi je suis très satisfait. Peut-être que ça n'a rien à voir avec les gros youtubeurs ou je ne sais quoi qui ont des milliers et des milliers d'abonnés. En tout cas voilà, 1000 abonnés c'est une première étape. Et en faisant cette vidéo, je me suis dit je vais faire une vidéo de remerciement. Mais par contre, moi j'aime bien apporter de la valeur. Tu sais, quand le fait que je fasse un contenu, une vidéo, j'aime bien t'apporter quelque chose pour que tu apprennes quelque chose, pour que tu ne visionnes pas 5-10 minutes de ton temps à toi qui est précieux pour rien. Donc je me suis dit, je vais essayer de parler de quelque chose et je me suis dit, de quoi je peux parler? De quoi je peux parler pour que ça puisse être intéressant? Et là, je me suis dit que j'allais te parler justement de gratitude. De gratitude, pourquoi? Parce que si tu veux, tout comme moi, et moi tout comme toi, on est sur un cheminement, d'accord? On essaye, on part d'un point A et on veut tous aller à un point B. Alors, dans plusieurs domaines, là on parle de la perte de poids et de la partie psychologique dans les vidéos que je poste, mais ça peut être dans tous les domaines. On part d'un point et on va arriver à un second point et en fait, on est sur le chemin actuellement. Et il est intéressant en fait de prendre le temps de se poser et de regarder derrière soi. Regarder ce que tu as accompli, le chemin que tu as fait pour le moment, le temps que tu as investi, peut-être l'argent que tu as investi, les actions que tu as faites, les choses que tu as osé faire, les déplacements que tu as fait. Et tout ça au fur et à mesure, tu l'as fait. Et si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as une réelle envie de changement, de te transformer et de faire des actions, de passer à l'action. Par rapport à d'autres personnes qui n'auraient pas le courage, comme toi tu le fais, de faire des actions pour le changement. Et du coup, aimer de la gratitude envers ce que tu as déjà fait, remonte il y a un an. Souviens-toi, il y a 2 ans, il y a 5 ans, où tu es et ce que tu faisais. Est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution? Est-ce que tu n'as pas fait des actions qui t'ont permis d'évoluer tout comme moi? Et du coup, il est important pour toi de prendre le temps. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les soirs en me couchant, d'accord? Je prends 1 à 2 minutes pour émettre de la gratitude pour justement ce que j'ai fait, la personne que je suis devenu, la personne que je suis en train de devenir. Et là, j'essaye de le faire maintenant le soir. Après, ça met un peu de temps pour émettre l'habitude. Mais voilà, prends le temps de te poser et de voir ce que tu as accompli. Moi, j'ai un truc dans mon téléphone, c'est un fichier, d'accord? Et ce fichier, je le consulte rarement, mais il est là, dans lequel je mets en fait tous mes succès, toutes mes victoires passées, des trucs qui remontent il y a 10 ans, 15 ans. Et je le mets comme ça, en fait, quand j'ai un coup de barre, je prends ce fichier et j'émets de la gratitude pour les choses que j'ai accomplies auparavant. Et je me dis, finalement, c'est pas mal ce que j'ai fait. Donc si tu as tendance justement à te dénigrer, à justement t'énerver contre toi parce que tu n'arrives pas à faire certaines choses, n'oublie pas ce que tu as déjà fait. Et ça va te permettre justement d'avancer et déjà d'être satisfait de ce que tu as aujourd'hui, de ce que tu as accompli et te permettre justement de voir vers où tu vas. Donc voilà, écoute, c'est ce que je voulais te dire. Donc prends le temps de la gratitude. J'ai préparé une feuille pour voir si je t'ai tout dit. Écoute, je t'ai tout dit. Si tu as une demande à me faire, si tu as par rapport aux vidéos que tu veux que je poste, n'hésite pas à mettre en commentaire juste en dessous ce que tu veux voir apparaître, si tu veux me féliciter, si tu as une recommandation à faire pour les vidéos, n'hésite pas, ok, je ne vais pas zapper tes messages. Je lis tous les messages et je réponds à tous les messages et rapidement même. Et du coup, mets ce que tu as à me dire, d'accord, tes états d'âme, états d'humeur, et également ce que tu as envie de voir poster, je prends en considération. Donc je vais peut-être faire une vidéo, donc en fait je stocke tout dans mon téléphone, les sujets, les idées, tout ça. Je me dis tiens, il y a beaucoup de gens qui voudraient ça. Par exemple, dernièrement on m'a parlé de graisse abdominale, comment l'enlever, quels sont les aliments, tout ça. Donc j'ai noté et je vais cibler un peu plus de ce côté-là à chaque fois. Donc mets ce que tu as envie de voir et j'en prendrai compte et je publierai au fur et à mesure.
crois que je t'ai tout dit. Prends soin de toi et surtout, on lâche rien. Ciao.